Salut, c'est vendredi. Oui, ça fait un moment que je n'ai pas fait un vidéo en français sur ta voix, même si c'est un peu en français. Merci encore, Dex, pour m'avoir aidé à mettre ce YouTube channel en ligne. Comme j'avais dit en anglais, ça c'est l'un. Ça, le fait de monter ça de magasin qu'on connaissait très bien, IKEA. J'étais en train de, en fait, me préparer pour ce week-end. Donc hier, je suis allée me baigner un peu dans de l'eau chaude. Et je suis allée dans un sauna aussi et tout ça. Et pourquoi? J'ai pas mentionné hier, mais je vais avoir un week-end qui va être assez mouvementé. Et je suis le type de personne, en fait, avant que je puisse aller quelque part où je dois être sur mes... où je dois être sociable, quoi. Il faut que je me prépare en fait, et pas juste préparer, mais vraiment il faut que je prenne quelques jours de me préparer en fait. Et le plus, on va être, je vais être avec mon beau à une fête demain, un anniversaire, et j'ai oublié. La semaine dernière, enfin juste cette semaine, j'ai oublié en fait qu'il y a cette fête qui va être là ce week-end, samedi, demain en fait. Et, yeah, I was like, oh, flûte. Je dois me vraiment préparer pour être sociable. Et ça me prend du temps, surtout quand j'ai pas mal de petites choses à faire ou il y a d'autres projets en vue ou si je veux être. Je peux pas dire forcément seule, mais tranquille. Hein? Il va avoir de la musique, il va avoir des gens qui... Et c'est même pas le fait de boire, en fait. C'est juste le fait d'être dans un lieu où je ne peux pas partir quand je veux et comme je veux. Donc, ça veut dire que j'ai une tout petite contrainte. Donc, c'est juste le fait que je vais pas avoir la mobilité nécessaire. Donc... La chose qui est marrant, en fait, c'est que j'ai pas vu ces gens-là depuis au moins l'année dernière, en fait. Mais c'est même pas les gens eux-mêmes, c'est juste le fait qu'il va y avoir des gens. Et c'est pour ça, hier, j'ai pris du temps, an off day, right? Même si j'ai eu un client le matin, pour prendre soin de moi, pour en fait préparer pour le fait que je vais avoir... ou que je dois être sociable demain. Et ça me prend énormément d'énergie pour le faire. Et donc voilà, donc ce matin, je suis en train de préparer tout doucement, tranquillement, en faisant des choses ludiques. J'étais en train d'écouter Carl Jung au sujet de l'homme et ses symboles. Oui, l'homme et ses symboles. Et j'étais au chapitre où le mec était en train de parler au sujet de les symbolismes, les hommes, et quand il rêve au sujet des femmes mauvaises, ou mauvaises, et comment en fait c'est une réflexion sur l'homme lui-même et pas forcément des femmes. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais. Et voilà, donc je me suis dit, non, je vais partager ça avec vous parce que ça, c'est une autre chose. Sur nos voies, en fait, c'est important de connaître soi-même et connaître les choses ou les façons dont on doit se comporter, qu'on a besoin de se préparer pour les choses qui nous contrarient, mais bon, bref, d'y aller à cette fête demain, ça va pas me tuer, mais il faut que, par contre, que je m'en prépare. Et donc, je prépare dans le silence. C'est comme une bibliothèque. Comme j'avais dit à mon cousin, introvert rockstar,
Des fois, ici à la maison, c'est vraiment comme une bibliothèque. Hein. Le seul voix en fait qu'il y avait, c'était le mec qui lisait le livre de Carl Jung. Et c'est tout. Hein. C'est comme quelqu'un était en train de me lire un livre sans être là. Et c'est une autre façon aussi d'apprendre un peu passivement sur certains sujets qui m'intéressent. Mais bon, bref, voilà. Cette vidéo sur ta voix, c'est pour les introvertis hein, et les gens comme moi qui a besoin de préparer bien en avance pour les événements. Donc voilà, donc j'espère que votre vendredi en fait sera plein de joie, plein de fun, mais aussi des préparations pour le week-end qui vous convient. Voilà. Salut, bon week-end. Bye!